laissez nous passer. Dégagez, dégagez. Vas-y, essaie de tendre le poignet, c'est à moi. Et la pression. Ce n'est pas la peine de le réanimer, vous voyez bien qu'il est mort. C'est plus la peine. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Soyez aimable. Elle allait me demander un pansement au médecin. Quelle surprise, m'as-tu là? Que faites-vous là? Commissaire, je regarde comme les autres. J'étais en train de boire une bière en face chez Karine. Un café où je vais souvent. Tout à coup, on a entendu crier au feu. Non, je suis occupé. Encore une nouvelle fiancée. C'est Carrie, la patronne du café. C'est affreux, monsieur le commissaire. C'est déjà notre troisième mort cette nuit. Le premier a sauté d'un immeuble, le second s'est jeté sous un bus et maintenant celui-là. Qui vous a signalé l'incendie? Ce sont des passants qui ont vu de la fumée. Ils nous ont alertés, il était environ minuit. Bien, je vous remercie. Mathula, vous pouvez encore rester à ma disposition. Pourquoi? Vous avez besoin d'un suspect? Alors? Il est mort asphyxié, à cause des émanations de fumée, arrêt cardiaque. Je vois. Bien, messieurs, je vous laisse vous occuper du transfert du corps. Il n'y a rien à voir, circulez. Monsieur le commissaire, je n'ai rien trouvé de suspect. De toute façon, c'est encore complètement fumé. Impossible d'y voir quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression que la victime a essayé d'éteindre avec l'incendie. Avec la casserole, peut-être? Un peu ici. J'y retourne. Ouais, c'est ça, je préfère. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Où allez-vous, monsieur? Vous ne pouvez pas entrer. Je suis le propriétaire du restaurant. Mais il y a le feu là-dedans, vous ne pouvez pas entrer, vous voyez bien que c'est enfumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la police? Oui, là-bas, le monsieur avec le trench coat. Je me présente, Simmons. Je suis le propriétaire du restaurant. Comme vous le voyez, j'étais au lit quand le téléphone a sonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les cuisines qui ont pris feu. Mais les pompiers sont arrivés juste à temps. L'ouverture devait avoir lieu aujourd'hui. En tout cas, l'incendie, ce n'est pas le plus grave. Malheureusement, il y a eu un mort. C'est un de vos hommes? Non, heureusement pour nous. Il était étendu mort dans la cuisine. Peut-être êtes-vous en mesure de nous donner son nom? Découvrez-le. Mais c'est Stéphane! C'est mon cuisinier. Stéphane Kaufmann. Mon Dieu, mais c'est atroce! Allez, viens, on n'a plus rien à faire ici. C'est affreux. Que s'est-il passé? Mon épouse. Bonsoir, messieurs. Madame. Stéphane est mort. Allez-y, je vous écoute, monsieur Simmons. Les ouvriers ont travaillé jusqu'à hier midi, les électriciens, les plombiers, etc. Et j'avais demandé à Stéphane, mon cuisinier, de tout vérifier. De plus, il avait des choses à préparer. Je suis sûr que ce sont eux qui ont mis le feu. Je suis persuadé que c'est un meurtre. Si vous pensez que c'est un homicide, c'est la police criminelle qui doit s'en charger. Qu'est-ce que vous entendez par eux? Il y a des tas de gens qui avaient intérêt à mettre le feu. Des petits truands pour commencer. Ils raquettent pas mal de cafés dans le quartier. Lorsque je faisais encore les aménagements, ils sont venus me rendre visite très très gentiment. Ils m'ont proposé leur protection, mais j'ai refusé. Et vous pensez que ça peut être un acte de représailles de leur part? Absolument. À moins que ce ne soit l'un des patrons des cafés du coin. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que mon restaurant risque d'attirer une autre clientèle. C'est un quartier en pleine restructuration. C'est plus la même fréquentation.
Je veux attirer une clientèle de qualité, des gens qui savent apprécier les bonnes choses et non pas les sandwichs pâtes et cornichons. Oui, j'ai vu restaurant Frankfurter. Ouais. J'ai fait déposer mon idée et je compte vendre des franchises. Les cafés alentours ont bien senti que j'allais leur faire de la concurrence. Et ils ont surtout peur que le bail de leurs établissements augmente. Certains seront obligés de fermer boutique. Et évidemment, c'est moi qu'ils tiennent responsable de ça. Mais j'y suis pour rien, c'est pas moi qu'il faut accuser. Ce sont les promoteurs. Attendez, là, c'est trop facile. Selon vous, ce pourrait être aussi un complot organisé par tous les patrons de café du quartier? C'était un acte criminel. En ce cas, c'est à la police de mener une enquête et de retrouver les coupables. Non, je suis désolé, monsieur Simmons, je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. J'aimerais que vous fassiez pression sur l'assurance. Il faut que j'ouvre mon restaurant le plus vite possible. Chaque jour supplémentaire de fermeture me coûte une fortune. Oui, bien sûr. Je peux effectivement essayer de prendre contact avec votre assurance. Ou même essayer de porter plainte contre X, mais c'est véritablement tout ce que je peux faire pour vous. Si vous voulez bien me signer cette procuration. Non, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut qu'on retrouve au plus vite les auteurs de ce crime. Maître, vous devez sûrement connaître un bon détective. Je connais quelqu'un avec qui je collabore, oui. Eh bien, j'aimerais que vous l'embauchiez afin qu'il mène une enquête dans le quartier. Très bien, si vous y tenez. Au fait, monsieur Simmons, je peux vous demander qui vous a dit de venir chez moi? Ces personnes, nous allons au même club. Oh, c'est vrai? Je ne vous avais jamais vu. Il faut dire que j'y vais pas souvent ces derniers temps. Oui, justement. Je me suis dit qu'un avocat qui est plus souvent à son cabinet en train de travailler que sur un court de tennis, ça doit être un avocat sérieux. Bonjour, vous êtes bien au bureau du répondeur automatique du détective? Bonjour, vous êtes bien au bureau? Oui, Matula. C'est moi, Rainer, bonjour. Ah, bonjour, Rainer. Ah, excuse-moi, mais tu tombes vraiment mal. J'ai un truc important à finir. Bah, tant pis, je peux raccrocher. Mais si toi, tu peux te permettre de laisser passer un gros contrat, tant mieux pour toi, parce que moi, dans ma situation, je ne le pourrais pas. Vous faites s'en est où avec les établissements Köppen? Hein? Köppen? Tu rigoles? Quoi, je ne te l'ai pas encore dit. Oh, eh bien, c'est tombé à l'eau il y a environ une semaine. Une semaine? Je suis désolé. Écoute, prends un stylo et note le numéro suivant. C'est à Francfort. C'est le 30 51 23. Monsieur Simmons, nous allons tous les deux au même club de tennis. T'as noté? Joseph? Joseph, est-ce que vous êtes toujours là? Ouais! Toujours pareil avec lui. Bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur automatique du bureau du détective Matula. Bon, allez, je passerai te chercher à 2h, d'accord? À tout à l'heure. Oui, d'accord. Oh, Dieu merci, pour l'instant, il n'y a aucun danger. Non, je ne peux pas demander à la police. Allez, Mario, protéger, tu comprends, laisse ce téléphone. Hein? Embrasse-moi. Oh, je t'adore. Excuse-moi, j'ai dû faire une mise à ma fille. Bon, c'est vrai, c'est dommage pour son cuisinier. Lui, il était pour rien. Mais à toi, je te le dis franchement parce que toi, t'es un pote. Je suis bien content qu'on lui ait fichu le feu à son restaurant, à ce sale type. Ça suffit, Wilhelm. Tu as assez vu pour ce soir. Tu rentres gentiment chez toi, sinon je vais être obligé de me fâcher. Je suis pas sourd. Si jamais ce restaurant a du succès, il y aura plus que des gens friqués dans le quartier. Ce sera la mort du petit commerce. Et où est-ce qu'on ira boire un coup tous les deux après? Hein? Tu peux me le dire? Bientôt, il y aura plus que des avocats et des types comme ça dans le quartier. Et nous, on nous délogera. Ça va devenir un quartier chic ici. On n'aura même plus les moyens de se payer, ne serait-ce qu'une petite bière. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Il y a un problème? Karine, si tu sais quelque chose sur cet incendie, il faudrait mieux que tu me le dises. Est-ce que c'est un coup d'un de tes collègues du quartier ou des petits truands qui raquettent les commerçants? Je t'en voudrais ça, Karine. Est-ce que ton nouveau client ne s'appellerait pas Simmons par hasard? Dis-moi la vérité. Karine, je fais mon travail. Ah, je t'en prie, il y a d'autres. Pas besoin d'explications. Toujours le fric. Bien sûr. Et moi qui te prenais pour un chic type, pour un ami. Si tu veux, tu diras à Simmons que je suis désolée pour son cuisinier. C'est vraiment moche. Mais la guerre ne fait que commencer. On fera tout pour qu'il ne s'installe pas. Encore autre chose. Ouais, si c'est tout ce que t'as trouvé, c'est pas génial. Je t'ai déjà vu montrer un peu plus d'entrain. Je pourrais savoir ce que tu insinues? Bon, écoute, j'ai tout de suite remarqué que tu ne voulais pas t'occuper de cette affaire. Bien sûr. Et tu veux que je te dise pourquoi? Pour ton affaire Köppen, j'ai laissé passer 2 enquêtes importantes. Eh bien maintenant, je m'en trouve complètement à sec. Et toi, qu'est-ce que tu me dis au téléphone, comme si de rien n'était?
Excuse-moi, j'ai oublié de t'en parler, mais l'affaire ne s'est pas faite. Et ça, tu le sais depuis une semaine. Et moi, comme un imbécile, ça fait 3 nuits que je suis à l'affût. Je me suis excusé, qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai oublié, ce sont des choses qui arrivent, je n'ai pas que ça en tête en ce moment. Et si ce n'est qu'une histoire d'argent, ça peut s'arranger. Tiens, voilà, j'ai 500 marques, si ça peut te dépanner. Mais de quoi tu te plains, ça y est? Je t'ai trouvé un travail en remplacement et je demanderai à Simmons de te payer au tarif syndical. Franchement, là, tu dépasses les bornes. Tu sais comment tu te comportes, là, comme un contremaître blanc sur un chantier au Congo? Écoute, Joseph, il voudrait mieux que tu t'en ailles, tu ne crois pas? Comme tu voudras, Buena. Et quand il s'y met. Bonjour. Bonjour. Ça y est, vous avez déjà joué? Eh oui, je pensais que vous ne viendriez plus. Oh non, je ne vais pas rater cette occasion. Alors, qu'a découvert votre détective? Oh, il vous dira ça lui-même, plus en détail. Mais les patrons de café du quartier font comme s'ils ne savaient rien, même s'ils savent quelque chose. Oui, ça, je m'en serais un peu douté. C'est pourquoi j'ai moi-même commencé ma propre enquête et je me suis souvenu d'un détail intéressant. Allez, donne-moi la raquette, Oumba. Pendant l'aménagement de mon restaurant, mes ouvriers et moi-même allions souvent manger chez Karine. Et une fois, en revenant des toilettes, j'ai vu un de mes ouvriers, un Italien, qui flirtait avec la patronne dans la cuisine. Vous allez peut-être me dire que c'est moi qui invente, mais... Mais je suis certain de ce que j'ai vu. Et je pense que vous devriez en toucher deux mots à notre Sherlock Holmes de service. Allez, voyons un peu ce que vous valez sur un cours. Vous avez des balles? Oui. Tenez. Elle est pas bonne. Schmidt, ces deux filles-là ont été interverties. Ça a été fait exprès, ça ne fait aucun doute. Vous en êtes certain? Absolument. Branché comme ça fait des étincelles. Mathula, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Mathula. Et moi, Klein Schmidt, l'expert de la compagnie d'assurance. Je vous laisse, moi j'ai fini. En tout cas, merci. Vous m'avez été d'un grand secours. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Quelqu'un a volontairement touché au four. Je vais encore faire un tour. Comme vous voudrez, mais n'oubliez pas de fermer la porte en partant. Bien sûr. Vous n'avez rien à faire ici. Si vous restez, vous allez m'attirer des ennuis. On se calme, je suis ici pour le boulot. J'enquête pour le patron du restaurant. Si jamais le commissaire apprend que vous êtes passé... Il n'est pas obligé de le savoir. Il y a eu quand même des dégâts. Excusez-moi, je suis le troisième homme. Et je suis arrivé un peu en retard. J'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit que le cuisinier était mort électrocuté et non pas à cause des émanations de fumée. Ça oui, il a pris une bonne décharge. Jetez un coup d'œil là-dessus. Vous voyez, le fil jaune a été relié à la face et le rouge à la terre. La face interne de la main avec laquelle il tenait le manche de la casserole était brûlée. Ils l'ont remarqué à l'autopsie. Et comment s'est déclaré l'incendie? Ça, si je le savais... De toute façon, ça, c'est votre travail, non? Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, cette affaire est extrêmement importante pour moi. La promotion en dépend, et c'est pour ça que mes collègues de la police me mettent les bâtons dans les roues, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout, je regrette. Ben, voyez-vous, cette enquête, c'est devenu une affaire personnelle. Et si je m'adresse à vous, c'est surtout aux professionnels que vous êtes. C'est gentil à vous. Ah, effectivement, j'ai plusieurs théories... Mais je ne peux pas vous les dire. Dommage, ça m'aiderait beaucoup. Si vous me jurez de garder ça pour vous... Ça, vous pouvez me faire confiance. Commençons par la version la plus intéressante. Celle où M. Simmons, notre assuré, y serait mêlé. Tentative de fraude. Il aurait mis le feu pour récupérer l'argent de l'assurance? Ce n'est qu'une hypothèse. Supposons que...
que c'est lui qui a trafiqué le four. Deux fils à changer, c'est à la portée de tout le monde. Il vient pour mettre le feu et pas de chance pour lui, le cuisinier était encore là. Ça a dû être un choc pour Simmons lorsqu'il est entré dans son restaurant cette nuit-là. Il trouve le cuisinier électrocuté, à l'endroit même où vous vous tenez en ce moment. Mais finalement, ça tombait bien pour lui. Il pouvait faire passer l'incendie pour un accident. L'huile de sa poêle se serait enflammée. Génial, non ? Oh, pas ma théorie, mais l'idée de Simmons. Mais je le répète, ce n'est qu'une hypothèse. Simmons prétend que c'était des représailles venant soit de patron de bistrot du quartier, soit de racketteur. Ça, ce sont mes hypothèses 2 et 3. Si tu veux mon avis, c'est ton client Simmons qui a lui-même mis le feu à son restaurant. Et je suis pas le seul à penser ça. Non, ce ne sont que des ragots. Et toi, est-ce que tu savais que ton amie, la patronne du bistrot d'en face, Karine Winter, flirtait avec un des ouvriers qui travaillait dans le restaurant de Simmons ? Je te signale que tu m'apprends rien. Ah bon ? Où est le mal ? C'est pas parce que deux personnes font connaissance, s'embrassent et peut-être couchent ensemble, qu'ils vont tout à coup s'unir pour mettre le feu au restaurant des autres et tuer le cuisinier par la même occasion. Très bien, je vois que tu n'es absolument pas coopératif, alors je me demande ce que... Coopératif ? Je passe pas mon temps à surveiller la patronne du bistrot où se trouvent la plupart de mes informateurs. Bon, très bien. Dans ce cas, je vais demander à mon client d'embaucher un autre détective privé. Est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un de compétent ? Dans ce métier, je suis le plus compétent. Ah. Ça veut dire quoi ? C'est oui ou c'est non ? C'est non. Ouais, je sais. Bon, arrête de boire maintenant, s'il te plaît. Tu l'auras voulu, je t'enlève la bouteille. Évidemment, arrête. On n'a pas envie d'entendre la vérité. Je n'aime pas quand si tu fais un scandale. La bouteille, ça ne me dérange pas. Je t'en prie, arrête, Mario. Si tu veux pas que je boive, t'as qu'à me mettre dehors. Mais si moi j'ai envie d'être sous, c'est pas toi qui vas me l'interdire. Je vais aller me saouler ailleurs. Là, ça, c'est pas ça qui va m'arrêter. Alors tu ferais mieux d'en prendre ton parti. C'est tout. Dites-moi, vous êtes un habitué ? Ça se voit pas. Pourquoi tu me demandes ça ? Tenez. Je suis tombé sur cet article, regardez. Le type du comptoir, c'est pas celui qui est sur la photo ? Ah oui, c'est lui. C'était lors d'un procès de la mafia à Palerme. Ça remonte à quelques années. Vous savez quelque chose sur lui ? Il s'appelle Emilio Carucci. Il s'appelle Mario. Mario Chiappella. C'est le Jules de la patronne, elle aime bien les dates. Mario ? Ouais. Vous êtes certain qu'il s'appelle Mario ? Mario Chiappella. Merci. Qu'est-ce que vous me donnez ? 10 marques, crois rêver, je suis pas un mendiant. Attendez, ne quittez pas. Bonjour, Elga. S'il vous plaît, monsieur Matula, je regrette, vous ne pouvez pas entrer. Il y a quelqu'un. Ah, je crois deviner avec qui il est. Demandez-lui de me recevoir, il faut que je lui parle à lui aussi. Il a dit qu'il ne voulait être dérangé sous aucun prétexte. Je vous rappellerai. Je suis désolée, mais ce sont ses consignes. Il ne veut pas vous recevoir. Elga, je ne suis pas venu ici pour causer de problèmes. Je veux simplement le prévenir qu'il est sur une mauvaise piste. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, cher maître. Ah, c'est toi. Je ne me trompe pas, Elga. Monsieur Matula n'a pas rendez-vous. Non, c'est justement ce que... Je ne suis pas venu pour faire un scandale, je suis venu pour féliciter mon successeur. Parfait. Écoute, ça tombe bien. Monsieur Klemmer vient justement de m'apporter quelques nouvelles très intéressantes. Alors, est-ce que ça te dirait de les entendre ? Oh, mais j'en meurs d'envie. Salut. Salut. Eh bien, entre. Non, sans façon, j'ai pas de rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Mais je vais quand même tout te raconter, ça va t'intéresser. Il se trouve qu'un certain Mario Chiappella est l'amant de ta charmante patronne de café que tu défends. Oui, alors ? Et alors, c'est tout à fait normal de fréquenter un type qui appartient à la mafia de Palerme. Surtout lorsqu'il se cache en Allemagne sous un nom d'emprunt, n'est-ce pas ? Oui, je le sais. Il s'appelle Emilio Carucci. Et ce n'est pas tout. Ce fameux Mario, ou appelons-le Emilio si tu préfères, a disparu depuis hier soir sans laisser de traces. La police est à sa recherche. Et ce qui a aussi retenu mon attention, c'est que Karine Winter s'est endettée jusqu'au cou et je la vois très bien s'associer avec ce mafioso pour ruiner mon client. Joseph. Si ce sont eux qui ont mis le feu au restaurant, ils ont commis un meurtre. Vous n'avez rien pour enlever ça ? Je suis désolé, mais c'est une encre qui est très difficile à enlever. J'aurais une dernière question. Nous avons reçu des informations vous concernant venant de sources anonymes, mais mon devoir est de les vérifier.
Je vais donc devoir vous demander ceci, monsieur Simmons. Il semblerait que vous ayez d'énormes difficultés financières en ce moment. Cela est-il exact? Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Peut-être n'est-ce qu'une simple rumeur, mais selon mes renseignements, il s'agirait de 2 485 000 marks, c'est pas mal. Alors, est-ce la vérité, monsieur Simmons? J'aimerais bien savoir qui vous a raconté ça. Ah, malheureusement, si cela est vrai, nous aurions un mobile pour l'incendie. Effectivement, monsieur Simmons a des dettes, mais qui correspondent au prêt qui lui a été accordé. De plus, je trouve que c'est absolument insultant de voir traiter mon client comme un criminel et que vous le suspectiez uniquement parce qu'il a des difficultés financières. J'ai fait ça? Oui. Oh, je regrette, mais je ne fais que mon travail. Ah, dites plutôt que vous espérez une promotion. Ah oui? Je vous demanderai d'interrompre cet interrogatoire. Il faut que je parle à mon client. Oui, je vous en prie. Eh bien, je vais en profiter pour interroger Madame Simmons, si ça ne vous fait rien. Je vous préviens, si toute cette affaire était allée dans la presse, ça se passera pas comme... Je vous en prie. Oh, je constate que vous êtes un naturel particulièrement agressif. Vous avez passé toute la soirée dans ce bistrot. Vous en êtes sorti à l'arrivée des pompiers? Ouais. Vous êtes un habitué de cet établissement? Ouais, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Désolé, mais j'ai pas de briquet. Êtes-vous intime avec Karen Winter? Vous la connaissez bien? Pourquoi ces questions? Les questions, c'est moi qui les pose. Madame Simmons, où étiez-vous le soir de l'incendie? J'étais dans ma boutique et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé le mot de mon mari. Et que peut-on faire dans une boutique après 23 heures? Je dessine moi-même mes modèles et le mois prochain, je vais sortir ma propre collection. Je vois. Et y avait-il avec vous l'un de vos collaborateurs? J'étais seule. Ah, eh bien, ça ne change rien. Même si vous aviez un alibi, vous ne seriez pas disculpé pour autant. Les fils rinceuses du four ont très bien pu être manipulés à n'importe quel moment. Excusez-moi, mais c'est pour mon fils. Oui, j'ai encore une dernière question à vous poser. Étiez-vous au courant des difficultés financières de votre mari? Non. Pourtant, c'est à votre nom que le restaurant a été enregistré. Oui, je sais, mais ça c'est pour les impôts. Ah, oui, bien sûr, je comprends. On ne peut pas dire que ce soit de la fraude. Vous voulez que je vous dise? Vous pouvez aller vous faire voir. Avec des allumettes, ça vous arriverait pas. Matula! Ah, je ne croyais pas ça de toi. Alors, comme ça, tu m'espionnes. C'est pour ça que tu viens au bistrot. Pour me prendre en photo avec Mario. Ordure! Mais je te jure que j'y suis pour rien. À cause de toi, Mario et moi, nous avons les flics sur le dos. Ne te repointe plus jamais chez moi. Karine! C'est une sacrée bonne femme. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne plus vous emporter, sinon ça se retournera contre vous. Répondez calmement aux questions du commissaire et tout se passera très bien. Oui, je vais essayer. C'est encore loin, mon chéri. Je suis morte de fatigue. Oh, tu te souviens? C'était le quartier de notre enfance. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Électrocution fatale, de nouveau un crime de la mafia. Tu croyais réellement que j'étais capable de te faire une chose pareille? C'est vrai, c'est un détective privé qui a pris les photos, mais c'était pas moi. D'ailleurs, je sais qui c'est, je l'ai vu chez toi. Mais je pensais pas qu'il vendrait ça à la presse. Ils ne mourront pas comme ça. Ils croient pouvoir nous faire du mal, à moi et à Mario. Mais je me battrai pour sauver mon café, et aussi pour sauver Mario. Et où est-ce qu'il se cache, au fait? Je n'en sais rien. Karine, la police finira bien par le retrouver. Si Mario et toi vous êtes innocents, il vaudrait mieux qu'ils se rendent. Est-ce que tu le comprends? Oui, je comprends. Je comprends qu'il n'a aucune chance. Tout va bien dans la presse, ils l'ont catalogué. Mafia égale meurtre. Il a vraiment un rapport avec la mafia? Pourquoi il est en Allemagne sous un faux nom? Il y est obligé. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce fichu procès de la mafia,
Il était entendu en tant que témoin principal. Il était le seul à avoir eu le courage de parler. Et maintenant, grâce à lui, de gros bonnets sont derrière les barreaux. Pourquoi crois-tu qu'il vit en Allemagne, sous un faux nom, depuis 3 ans? C'est pour leur échapper, pardi. Il a des diplômes, mais il est obligé de faire le plombier ici, alors qu'il avait une bonne situation en Italie. Il se cachait comme un animal traqué, mais maintenant, avec cette saleté d'Arctique, ils sauront parfaitement comment le retrouver. Et dans ce cas, il devrait s'adresser tout de suite à la police. Je suis sûr qu'on lui accorderait une protection. Qu'est-ce que tu peux être naïf? Ça fait de la racaille en moins pour la police. De toute façon, nous sommes soupçonnés tous les deux, alors, d'après la police, c'est moi qui aurais chargé Mario de trafiquer les appareils électriques, le four notamment, afin de mettre le feu au restaurant. Écoute-moi, Karine. C'est moi qui aurais dû mener l'enquête que mon collègue a faite. Mais ce travail, je l'ai refusé. Karine, si t'as besoin de moi, alors... Ne me raconte pas d'histoire. Je suis certaine que tu travailles pour cette ordure. Non, j'ai refusé de travailler pour lui. C'est vraiment gentil de ta part. Mais un autre fouineur comme toi a pris la relève. Bon, d'accord. Laisse. C'est moi qui offre. C'est cadeau. Je ne me laisserai pas enterrer comme ça. Je te dis que Mario, enfin Emilio, était témoin principal au moment du procès. Je te signale que s'il était témoin principal, ça veut dire qu'il était sûrement du milieu. Ta chère patronne de bistrot te raconte que son protégé italien n'est pas un ex-mafioso et toi, tu es assez bête pour la croire. Mais qu'est-ce que tu espères? Qu'elle te fera crédit pour les bières que tu lui dois? Tu ne trouves pas que t'exagères? Tu peux me dire ce que tu veux, mais moi je la crois. Je la connais depuis suffisamment longtemps pour t'affirmer qu'elle est incapable de faire une chose pareille. Et pourquoi pas? Tu sais toi-même de quoi sont capables les gens lorsqu'ils sont pris à la gorge. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, monsieur aussi aurait pu trafiquer le four. Vous êtes criblé de dettes, tout le monde le sait. Maintenant, ça suffit, Joseph. Alors ça, c'est le bouquet. Vous embauchez un détective privé et finalement, c'est vers son employeur que ses soupçons se portent. Non, mais vous croyez que je sois assez stupide pour tuer mon cuisinier un jour avant l'ouverture? C'était pas prévu. Si tu tiens réellement à le savoir, Monsieur Simons a conclu un accord avec une banque suisse et toutes ses dettes sont épongées, alors ton hypothèse ne tient absolument pas la route. En quoi ça l'empêcherait de mettre le feu à son propre restaurant? Voyez-moi vos honoraires, je vous réglerai. Bonjour, c'est Stéphanie Kranzler. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Il s'agit de mon mari. Vous pouvez interrompre vos recherches. Il est à l'hôpital. Il a eu un grave accident. Alors, j'aimerais que vous me remboursiez la compte que je vous ai versée. Voilà, un instant. Allô? Allô, es-tu là? C'est Gary. Si tu es là, décroche, s'il te plaît. Je t'en prie. Rappelle-moi dès que tu seras chez toi. C'est important. Tu as dit que tu étais prêt à m'aider. Et j'ai besoin de toi. J'ai des choses à te dire. Au sujet de... Enfin, Simons. Je ne peux pas t'en parler comme ça au téléphone. Matula, viens, je t'en prie. Ici. Allez, rentrez chez vous, vous allez prendre froid. Monsieur Mathieu. C'est bizarre, vous êtes toujours sur place lorsqu'il se passe quelque chose. Ça a commencé par l'incendie et maintenant vous êtes ici pour cette malheureuse. Madame Winter m'a laissé un message sur mon répondeur. Elle disait qu'elle avait besoin de moi. Ça avait l'air d'un appel au secours. Elle était ivre.
Il avait des révélations importantes à me faire. Au sujet de Simmons. Ouais, je vois. Vous a-t-elle donné une heure sur le message? Non. C'était dans la cuisine. Pardonne-moi, Mario, mais je n'en peux plus. Bon, c'est bon, on peut rentrer. Non, elle avait causé la mort d'un homme et c'est quelque chose qui l'obsédait. Les images lui revenaient sans cesse en tête et elle n'arrivait pas à s'y faire. Elle pensait sûrement à cet homme jour et nuit. Alors elle s'est mise à boire pour essayer de fuir ses angoisses et puis son complice l'a abandonnée. Elle t'a appelé pour se confier à toi, mais tu n'étais pas là, alors elle a sauté. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Écoute-moi bien, Joseph, tu y crois ou tu n'y crois pas, mais ça, ça m'est complètement égal. Mais bon sang, de quoi tu te mêles encore? Je t'ai déjà dit de ne plus t'occuper de cette affaire. Mais pour la police, il s'agit d'un suicide. Alors qu'elle m'a appelé à l'aide, elle a fait allusion à Simmons. Je suis certain qu'il s'est passé quelque chose. Je suis sûr que la police devrait surveiller ce couple de plus près. Ces deux-là, ils sont pour quelque chose. Écoute, c'est toi qui ne vas pas bien en ce moment. Tu es devenu complètement cinglé, mon vieux. Mais je te préviens, si jamais j'apprends que malgré mon interdiction, tu t'obstines à espionner mon client et sa femme, ce n'est plus la peine de m'appeler. Alors maintenant, laisse-moi dormir, tu veux ? Tu vas rester bien sagement assis. Il faut que je te parle. On va monter chez toi. T'as perdu la raison ou quoi? La police te cherche partout, ils ont déployé les gros moyens. Alors on va faire un tour, et n'essaie pas de me doubler. Bah, fais gaffe aussi avec ton flingue. Qu'est-ce qui se passe avec Karine? Elle ne répond plus au téléphone. Je suis allé au bistrot tout à l'heure et j'ai pas pu m'approcher. Il y avait la police partout. Il y avait aussi ta voiture. Comment ça se fait? Karine est morte. Quoi? C'est pas possible. Mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir? La police pense qu'il s'agit d'un suicide. Karine a laissé un mot d'adieu. Mario, pardonne-moi, mais je n'en peux plus. Non. Karine ne s'est pas suicidée, je le sais. Je pense qu'on l'a assassinée. Je l'ai vue hier. Il était midi. Et elle m'a dit que tout allait s'arranger. Qu'elle allait pouvoir conserver le bistrot. Et qu'elle allait recevoir beaucoup d'argent. 300 000 marques. Ah? Et tu voulais récupérer cet argent? Madonna mia, t'es bien un Allemand. Le pognon, encore le pognon, toujours le pognon. J'aimais réellement Karine. Tu comprends ça? Est-ce que Karine t'a dit qu'il allait lui donner ses 300 000 marques? Non. Je lui ai dit de faire attention, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et voilà ce qui est arrivé. Mathilda, il faut que tu retrouves celui qui l'a tué. C'est un engagement que tu me proposes? Tu m'as bien compris. Thank you.
Ciao. Bonjour. 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 Je voudrais parler à Madame Simmons. C'est bien la propriétaire de ce magasin. Enfin, cette boutique. Non, non, elle n'est que la gérante. Le propriétaire, c'est son mari, mais Madame Simmons n'est pas là. Elle est partie il y a une petite heure environ. Ah, c'est bête. Je peux peut-être vous aider ? Peut-être. C'est quelque chose d'assez délicat. Je sais pas comment vous en parler. Dans ce cas, autant que vous reveniez demain. Vers 17h, elle devrait être là. À vrai dire, il s'agit de mon ami qui a disparu, Stéphane Kaufmann. Peut-être vous le connaissez ? Stéphane Kaufmann ? Hein ? Vous n'êtes pas au courant ? Il est mort ? C'était dans le journal. Il est mort pendant un incendie. Quoi ? Stéphane est mort ? Je l'ignorais, j'ai pas lu le journal. Je viens de province, je suis juste de passage. Je suis désolée. Si je suis passé à la boutique, c'est parce que Stéphane est votre patronne. Enfin, je pense que vous devez être au courant. Oh, Stéphane, j'arrive pas à y croire. C'était un garçon formidable. Pas tant que ça, hein. En fait, votre ami se servait de Madame Simmons. Tout ce qu'il voulait, c'était la place de cuisinier dans le restaurant de son mari. De petit vendeur de frites, il passait chef cuisinier. Vous en êtes sûr ? Je connaissais pas Stéphane sous ce jour-là. Quelle déception. Elle croyait que c'était le grand amour. En tout cas, Stéphane était vraiment un beau garçon. Je comprends qu'elle ait craqué. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, moi ? Vous m'avez été d'un précieux secours. Je vous remercie. Mademoiselle. Je vous assure, monsieur Matula, j'ai essayé de lui faire la morale. Mais il ne veut rien savoir, il ne veut pas vous parler. Même pas au téléphone. N'insistez pas, il n'y a rien à faire. Je vous en prie, Helga, c'est important. Je suis sur une piste très intéressante. La femme de Simone s'est mêlée à cette histoire d'incendie. Le cuisinier était son amant. Et Karine Winter avait certaines... Oui, je comprends parfaitement, monsieur Matula. Mais maître Frank m'a bien précisé Écoutez, qu'il... Écoutez, j'ai une idée. Je vais vous dicter tout ça et vous allez le lui apporter. Il faut que ça parte aujourd'hui. Je te demanderai de t'en aller. Non mais on croit arriver. Je ne sais pas, essayer de lui écrire une lettre. Lui écrire une lettre ? Maintenant, écoute-moi bien, espèce de tête de mule. Tête de mule. La femme de Simone, c'est dans le coup, c'est elle qui a... Helga, est-ce que vous vous souvenez de cette affaire de loyer avec M. Melbeck ? C'était en 91 ou 92. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est ? Rien. Ce n'est qu'un fax. Un fax ? Est-ce que je pourrais le voir ? Vous laissez encore M. Matula entrer ici, vous recevrez votre lettre de licenciement. Je commence à m'énerver avec ces élucubrations. Bonjour, un café s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Faut que je te parle. Puisque la vache ne veut pas venir au taureau, c'est le taureau qui vient à la vache. Prends ça comme tu veux. Coucou. Rainer.
Écoute, d'abord, tu ne veux plus travailler pour moi, mais ça, je ne peux pas t'y obliger. Mais maintenant, si tu te mets à espionner mon client ou sa femme, ça, je ne l'admettrai pas. Tu entends? Je ne l'admettrai pas. Rainer, l'affaire est claire. Madame Simmons avait une liaison avec Stéphane Kaufmann. Ouais, ben ça, tu ne m'apprends rien. J'étais au courant pour cette liaison. Elle l'a avoué sans problème à la police. Mais Simmons s'en fichait éperdument, puisque de toute façon, il avait l'intention de divorcer. Alors, tu vois que tu ne m'apprends absolument rien, monsieur, je sais tout. Si c'est là tout ce que tu avais à me raconter, c'est comme l'histoire de la montagne qui accouche d'une souris. Alors, tu prends ça comme tu veux, mais ça m'est égal. Voilà votre café. Merci. Il y a encore un autre détail. Karine Winter a été assassinée à cause de 300 000 marques. Qu'est-ce que ça veut dire encore? J'en sais toujours rien. Mais ça, je vais le découvrir. En tout cas, Karine espérait obtenir cette somme. Comment tu le sais? Je l'ai su par mon nouvel employeur, Mario Chappell. Ah, le mafioso! Je croyais qu'il était en fuite. Il l'est toujours. Mais hier, je l'ai vu, il est venu chez moi. Il s'était caché. À midi, il a encore vu Karine. Et elle lui a parlé de cet argent. Sans lui dire comment ni de qui elle comptait l'obtenir. Il pense qu'elle a été assassinée. Et c'est ce que je crois aussi. Elle faisait chanter quelqu'un? Ouais. Qu'est-ce que Karine Winter a dit exactement sur ton répondeur? Elle a dit... Madame Simmons? Non, juste Simmons. Ah bon? Mais c'est peut-être de sa femme dont elle parlait. Ou peut-être des deux. Bonsoir. Je suis Madame Simmons. Je vous dérange? Non. Pourrais-je entrer, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Je suis désolée d'arriver chez vous à l'improviste, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Ah, c'est parfait. Si vous voulez bien vous asseoir, de toute façon, j'avais rien de prévu. Que puis-je faire pour vous? Je suis terrorisée. Mon mari... Qu'est-ce qu'il a, votre mari? Mon mari a tué Stéphane Kaufmann, et Karine Winter voulait le faire chanter. Pourquoi venez-vous chez moi au lieu de vous rendre directement à la police? Je n'ai aucune preuve contre lui. Mon mari sait que je suis au courant de tout, mais il ne dit rien. Il fait comme si rien ne s'était passé. Je vous en prie. J'ai tellement peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai trouvé tout à l'heure son revolver dans la boîte à cigares, alors que d'habitude, il est dans le tiroir de son bureau, caché sous des dossiers, et il était chargé. Vous allez reprendre tout ça calmement depuis le début. Je croyais que votre mari n'était pas au courant de votre liaison avec M. Kaufmann. Bien sûr qu'il était au courant. Il a menti à la police. Et maintenant, vous croyez que, par jalousie, votre mari a assassiné votre amant? Non, non, ce n'est pas par jalousie que mon mari l'a tué. Il se fiche complètement de moi. Mon mari est un battant. Il ne supporte pas les échecs. Je voulais divorcer depuis longtemps, mais lui, il ne voulait pas. Une petite question. Avez-vous été en contact avec Madame Winter? J'ai surpris une conversation téléphonique entre mon mari et cette pauvre Madame Winter. Alors, le lendemain, je me suis permis de la rappeler pour qu'elle me dise ce qu'elle savait. Je voulais surtout... lui déconseiller de faire chanter mon mari et lui dire qu'elle avait plutôt intérêt à prévenir tout de suite la police. Mais elle a raccroché. Et le soir même, elle était morte. Défenestrée. Je ne veux pas qu'il gagne encore une fois. Je ne veux pas qu'il gagne. Aidez-moi, c'est ma seule préoccupation. Je vous en supplie, aidez-moi. Nous devons obliger mon mari à avouer. Je veux que ce cauchemar cesse. Je vous en supplie. Très bien. Je vais essayer de sortir Maître Franck du lit. Comme votre mari et son client. Et puis nous irons chez vous. Et lorsque nous serons arrivés, vous répéterez vos accusations à votre mari en présence de Maître Franck et de moi-même. Nous ferons office de témoin. Nous verrons bien ce qui se passera. Merci. Ton mari sait que vous êtes là? Non. Je lui ai dit que je me rendais à la boutique. Alors, Rainer, c'est moi.
Je vais attendre que Maître Franck arrive. D'accord, mais ne me laissez pas seule trop longtemps. Salut. Tu n'en manques pas une. Tu sais que cette histoire peut me coûter cher. Un avocat qui agit contre son propre client, ça s'est jamais vu. Et qu'est-ce qui te fait croire que Madame Simmons dit la vérité? Il est fort probable qu'elle veuille nuire à son mari uniquement parce qu'il veut divorcer. C'est elle qui veut divorcer. N'importe quoi. Bon, je n'insiste pas. Je ne peux pas croire que Simmons soit l'auteur de ce double meurtre. Comment aurait-il pu tuer l'amant de sa femme alors qu'il n'était pas au courant de sa liaison? C'est lui qui le dit. Elle, elle dit autre chose. Moi, si j'avais été à sa place, je ne l'aurais certainement pas assassiné dans mon propre restaurant. T'imagines? Faire croire à un incendie, c'est ridicule. Excuse-moi, Joseph, mais tu es en train de faire fausse route. Bien sûr que moi aussi j'ai des doutes. Je commence à ne plus rien comprendre dans cette affaire. Je vais finir complètement fou. Il y a un coupable. Et si je le trouve pas, je mets la clé sous la porte et je reprends le bistrot de Karine, promis juré. Moi aussi, je vais te promettre quelque chose. Si jamais ça tourne mal, ce sera la fin de notre amitié. Est-ce que c'est clair? Maître Franck. Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. Je vous en prie, entrez. Mon mari doit être en... Je vous en prie, venez. Vous voyez, il fait comme si rien ne s'était passé. Il a lu ses journaux, il a bu ses deux whisky et il est allé se coucher à 23h. Mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas tarder à descendre, il a dû nous entendre. Pardon, vous en voulez un? Non, je vous remercie. Et vous? Non, merci. Excusez-moi, madame Simmons, mais cette situation m'est très désagréable. N'y aurait-il pas la possibilité de parler de tout cela plus tranquillement avec votre mari, demain? Ah. Rainer, t'as perdu la tête. Madame Simmons craint pour sa vie. D'ailleurs, il est où, le revolver? Là-dedans. Ah ouais, ça peut effectivement faire très mal. Laissons-le où il est, sinon il pourrait se douter de quelque chose. On n'a pas à s'alarmer. Je suis armé, moi aussi. Je vous suis vraiment infiniment reconnaissante à tous les deux. Avec vous, je me sens en sécurité. C'est lui qui arrive. Carla? Oui, nous sommes au salon. Comment ça, nous? Qu'est-ce que vous faites ici au milieu de la nuit? Il s'est passé quelque chose? Bonsoir, monsieur Simmons. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je croyais qu'il ne travaillait plus pour vous. Monsieur Simmons, votre femme s'est rendue chez monsieur Matula il y a une heure pour lui demander sa protection. Elle sentait que vous la menaciez. Je la menaçais? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais ça va pas, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Simmons, croyez-vous que votre femme soit capable de tuer deux personnes? Je la crois capable de tout, mais tuer ça m'étonnerait. Pourquoi cette question ridicule? Et vous, madame Simmons? Croyez-vous que votre mari ait été capable de tuer Stéphane Kaufmann ainsi que madame Karine Winter? Oui. C'est toi qui les as assassinés. Mais t'es devenue folle! Tu as appris mon aventure avec Stéphane et tu n'as jamais pu supporter que je puisse te tromper. Il a fallu que tu l'assassines. Je n'étais même pas au courant de leur liaison. C'est toi qui as tout organisé. C'est toi qui as mis le feu au restaurant. C'est toi qui as trafiqué le four. Mais c'est ridicule! J'y connais rien en électricité. Ce n'est pas sorcier d'intervertir deux fils. Toi-même, tu peux le faire. Maître, vous ne voyez pas qu'elle est en train de vous jouer la comédie? Oui, c'est ça. Continue ton cinéma, toi aussi. Cette nuit-là, tu as attiré Stéphane au restaurant sous un prétexte fallacieux. J'étais bien placée pour le savoir, puisque cette nuit-là, j'étais chez lui. Ah bon, tu étais chez lui? Je croyais qu'il t'avait laissé tomber, ou plutôt devrais-je dire qu'il t'avait jeté! Vous voyez, il s'est trahi. Alors qu'il a prétendu à la police qu'il n'était pas au courant de notre liaison. C'est ta vendeuse qui me l'a dit dernièrement. Tu mens. Tu avais demandé à Stéphane de contrôler tout ce que les ouvriers avaient installé à la dernière minute. Là-bas, tu l'attendais. Tu l'as assommé, tu l'as électrocuté en le mettant en contact avec le four. Mais tu dis n'importe quoi. Tais-toi. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es saoul ou quoi? La police sait parfaitement que j'étais chez moi quand ça s'est passé. Moi, je ne t'ai pas vue à la maison. Et lorsque je suis rentrée, il n'y avait que ce mot sur la table. Le restaurant brûle.
Comment ai-je fait? Le restaurant est à une demi-heure en voiture. Il fallait que je tue le cuisinier, que je mette le feu au restaurant, que je revienne ici, que je me couche, qu'on m'appelle au téléphone et que je retourne au restaurant. Mais c'est tout le quartier qui aurait eu le temps de brûler. Ce que dit votre femme n'est pas absurde. Il n'y a aucun témoin pour prouver que vous étiez réellement chez vous. Le mot, vous auriez pu l'écrire quelques heures avant, puisque de toute façon, vous saviez que votre femme rentrerait tard. Mais tout le monde m'a vu arriver en pyjama, j'ai juste eu le temps de mettre un manteau. Votre pyjama, vous avez très bien pu l'emporter avec vous. Oui. Oui, j'y pense. Je n'ai pas vu le costume qu'il portait durant la journée en entrant dans la chambre. Eh oui, je l'avais rangé. Toi, ranger ton costume, ce serait bien la première fois. Non, je sais ce que je dis, mon costume était dans le placard. Il n'y était pas. Je vais te dire comment ça s'est passé. Après avoir assassiné Stéphane, tu as déclenché un petit incendie, rien d'important. Ensuite, tu es sorti du restaurant par la porte de service. Et très certainement, pas plus de quelques minutes après, tu as alerté les pompiers afin que ton cher petit restaurant ne finisse pas en cendres. D'une cabine téléphonique, c'est facile. Alors tu as pu retourner tranquillement dans ta voiture sans que personne te voie et te changer. Ensuite, tu as attendu le moment opportun pour te représenter sur les lieux du crime. Mais qu'est-ce que c'est de ces divagations? T'es devenue folle? Je te laisserai pas m'accuser d'un meurtre! Tu n'as pas commis un, mais deux meurtres! C'est toi aussi qui as poussé Karine Winter par la fenêtre parce qu'elle t'avait vu sortir du restaurant. Tu n'as vraiment pas eu de chance. C'est à ce moment exact qu'elle est sortie pour promener son chien. Et elle t'a vu. Si elle n'avait pas été là, tu aurais pu commettre un crime parfait. Personne ne t'aurait jamais soupçonné. Ça suffit. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Carla. Oui, ça t'arrangerait bien. Encore un meurtre, mais c'est trop tard. Tu aurais dû t'y prendre plus tôt. Je l'ai surpris en train de téléphoner à Karine Winter l'autre jour. Elle voulait lui soutirer 300 000 marques contre son silence. Je peux pas supporter ça. Je vous en prie, maître, emmenez-moi ce monstre loin d'ici ou je réponds plus de moi. Fous le camp. Tu es un monstre, je sais pas ce qui me retient. Elle ment. J'ai jamais téléphoné à Karine Winter, je vous le jure. Oui, c'est ça, jure si tu veux, car de toute façon, personne ne te croira. Je m'en fiche complètement de Karine Winter. Mais tu as lâchement assassiné Stéphane. Tu m'as pris, mon Stéphane, pour toujours. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Il faut que tu payes pour ce crime odieux. J'espère que tu finiras ta vie en prison pour ce que tu m'as fait. Tu dis que je suis un monstre, mais c'est toi le monstre. Espèce de monstre, tu aurais été capable de me tuer même devant eux. Assassin! Assassin! Je voulais juste prendre une cigarette. J'ai jamais eu de revolver. Il faut que vous me croyez. Je voulais prendre une cigarette. Oh, mon chéri! Je ne voulais pas tirer sur toi. Je ne voulais pas, c'était la colère. Oh, mon chéri. Madame Simmons, je vous en prie, arrêtez votre comédie. Évidemment que vous vouliez tuer votre mari. Votre petite mise en scène ne servait qu'à ça. Durant tout cet entretien, vous n'attendiez que le bon moment pour abattre votre mari. Maître Franck et moi-même, nous en aurions été les parfaits témoins. C'était extrêmement bien calculé. Félicitations. C'était presque de la légitime défense. Vous l'auriez tué sous le coup de l'émotion. Oh, ça vous aurait valu les circonstances atténuantes. Nous avons un avocat avec nous. Rainer, qu'est-ce que Madame Simmons aurait risqué? Je ne sais pas, 2 ou 3 ans. Un juge compréhensif l'aurait peut-être même relaxé. Et pour tout le monde, votre mari aurait été le meurtrier de Stéphane Kaufmann et de Karine Winter. Ça aurait pu marcher, Madame Simmons. Mais c'est raté. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui avez assassiné votre amant. Tout le monde a été soupçonné. La mafia, votre mari, Madame Winter et son ami. Sauf vous. Tu vois, Rainer, Madame Winter est venue contrarier ses projets. Et c'est pour ça qu'elle l'a tué. Elle l'a poussé par la fenêtre et elle a fait croire à un suicide. Et c'est elle qui a écrit la lettre d'adieu. Et quand j'ai découvert sa liaison avec Stéphane Kaufmann, elle a eu l'idée diabolique de renforcer mes soupçons contre son mari. Et elle pensait pouvoir le tuer en état de légitime défense. Vous n'avez aucune preuve. Je fais confiance à la police pour en trouver. Par exemple, l'endroit où vous avez acheté cette arme. Appelle le commissaire Lüdge. Moi, il m'enverrait balader.
Avant de nous laisser entrer, elle a eu le temps de mettre le revolver dans la boîte à cigares, c'est ça? C'est ça. D'une certaine façon, elle me fait pitié. Dire qu'elle a gâché sa vie pour un type qui n'en valait peut-être même pas la peine. C'est la première fois que ça m'arrive. Je n'avais jamais douté de mon client avant. J'étais persuadé que c'était lui le coupable. Ouais, moi aussi, j'ai failli croire à sa version des faits. C'était bien vu. Tout ce qu'elle disait était absolument crédible. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle soit trop sûre d'elle et qu'elle se trahisse. Comment ça? Ah oui, bien sûr. Comment pouvait-elle savoir que Karine, lorsqu'elle promenait son chien, avait vu le meurtrier sortir du restaurant? Par son mari? Ça, tout de suite, elle l'aurait répété à la police. Par Karine? Ça également, elle l'aurait répété tout de suite à la police. Donc ça signifiait que ça ne pouvait être qu'elle la coupable. Tu es un type très perspicace. Joseph, ça pourrait être un nouveau départ pour notre merveilleuse amitié. Dis-moi plutôt qui va payer les honoraires du meilleur des détectives. Bonne nuit. Bonne nuit.